Un bon bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Eh bien oui, j'avais le goût depuis un certain temps de faire cette capsule, mais manque de temps, oui, toujours ce manque de temps, n'est-ce pas? En fait, vous êtes très très nombreux à me demander la signification des différentes couleurs des plumes d'ange qu'on peut rencontrer. Donc voilà, enfin je prends le temps de vous faire quelques capsules en vous expliquant les différentes couleurs des plumes d'ange que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Je vous souhaite, eh bien, à toutes et tous une belle écoute des différentes significations des couleurs d'une plume d'ange. Les plumes d'ange sont souvent perçues comme des signes spirituels ou des messages de la part des anges ou d'autres entités spirituelles, n'est-ce pas? Chaque couleur de plume est associée à une signification particulière qui peut varier en fonction des croyances personnelles ou des traditions spirituelles. Eh bien voilà, voici quelques-unes des interprétations courantes des couleurs des plumes d'ange. Et ici, nous sommes sur la plume grise, équilibre et neutralité. Une plume grise peut symboliser la recherche d'équilibre dans votre vie. Elle peut indiquer une période de réflexion, de calme ou de transition. C'est un rappel de rester neutre ou de ne pas juger trop rapidement, eh bien, une situation. La plume grise est un symbole spirituel intrigant et multifacette, souvent associé à des concepts d'équilibre, de neutralité et de transition. Elle combine, eh bien, les aspects du noir et du blanc, représentant ainsi un espace intermédiaire, une zone, eh bien, de compromis ou un état de contemplation. Eh bien voilà, voici une exploration détaillée des différentes significations possibles de la plume grise. Alors la couleur grise est traditionnellement perçue comme une combinaison équilibrée du noir et du blanc, ce qui en fait, eh bien, un symbole puissant d'équilibre et de neutralité. Trouver une plume grise peut indiquer que vous êtes dans une période où l'équilibre est crucial, ou que vous êtes invité à adopter une perspective neutre dans une situation complexe. Elle peut aussi signaler que vous êtes en train de trouver un équilibre entre différents aspects de votre vie, par exemple comme le travail et la vie personnelle, ou entre vos émotions et votre raison. Ah, ça, c'est pas facile, hein? Les émotions et la raison. Il y a peut-être un équilibre à faire là-dessus, hein? Le gris est souvent associé à l'idée de transition, de passage entre deux états ou phases de vie. Une plume grise peut apparaître lorsque vous êtes en plein changement, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle. Elle symbolise, eh bien, cette période de transition et vous rappelle que le changement est une partie naturelle, n'est-ce pas, de la vie, même si elle peut être parfois, eh bien, inconfortable ou incertaine. Alors le gris, oui, le gris est également une couleur de réflexion et d'introspection. Une plume grise peut vous encourager à prendre du recul pour réfléchir sur votre situation actuelle, à peser, eh bien, le pour et le contre, et à méditer sur vos choix avant de prendre une décision. En fait, elle est un rappel de l'importance de la contemplation et de la sagesse dans la prise de décision éclairée.
Alors le gris est une couleur malléable qui peut s'adapter à son environnement, ni trop sombre et bien ni trop clair. Trouver une plume grise peut être un signe que vous devez être flexible et adaptable face aux circonstances changeantes de votre vie. En fait, elle suggère que vous pouvez trouver des solutions en étant ouvert d'esprit et prêt à ajuster vos perspectives ou vos comportements selon les besoins. Alors le gris est souvent associé aussi à la sagesse, souvent symbolisé par exemple les cheveux gris des personnes âgées, n'est-ce pas? Une plume grise peut donc représenter la sagesse acquise, et bien par l'expérience, l'importance de la patience et le respect pour les cycles naturels de la vie. Elle peut indiquer que vous êtes en train d'acquérir tout simplement de la sagesse à travers vos expériences actuelles ou que vous devez faire appel à votre propre sagesse intérieure. Bien que moins vibrante que d'autres couleurs, n'est-ce pas, le gris est souvent perçu comme une couleur apaisante et calmante. Une plume grise peut signaler la présence d'une paix tranquille dans votre vie ou vous encourager à chercher la paix intérieure. C'est un rappel, n'est-ce pas, que même dans la neutralité ou l'absence de dynamisme, il peut y avoir un profond sentiment de calme et de stabilité. Alors d'un autre côté, eh bien, le gris peut également représenter l'incertitude, n'est-ce pas, ou l'hésitation. Trouver une plume grise pourrait signifier que vous êtes dans une période où vous n'êtes pas sûr de la direction à prendre ou que vous vous sentez bloqué entre deux choix. Elle vous invite alors à accepter cette incertitude comme une partie du processus de prise de décision plutôt que de la voir comme un obstacle. Alors que les plumes noires sont souvent vues comme un symbole de protection forte et visible, eh bien les plumes grises peuvent représenter une forme de protection plus subtile. Elles peuvent indiquer, eh bien, que vous êtes protégé par des forces spirituelles, mais d'une manière, allez, on va le dire, plus discrète et silencieuse, presque imperceptible. C'est un signe que vous êtes guidé et protégé de manière douce, sans la nécessité d'une intervention dramatique. Alors pour celles et ceux qui trouvent une plume grise, prenez le temps de réfléchir à ce que cela pourrait signifier pour vous dans le contexte actuel de votre vie. Vous pourriez envisager de garder la plume comme un symbole de la nécessité d'équilibre ou de méditation. C'est également, eh bien, un bon moment pour examiner les aspects de votre vie où vous pourriez avoir besoin de flexibilité, de sagesse ou de trouver, eh bien, la paix au milieu de l'incertitude. Eh bien, en résumé, la plume grise est un symbole puissant d'équilibre, de transition, de réflexion et de sagesse. Elle vous invite à accepter les nuances de la vie, à trouver, eh bien, la paix dans les moments de calme et à avancer avec une sagesse réfléchie, même lorsque vous naviguez dans des périodes d'incertitude ou de changement. Alors, ces interprétations, évidemment, sont basées sur des croyances spirituelles et peuvent varier en fonction des contextes culturels ou religieux.
Chacun est libre. Vous avez toujours le libre arbitre, n'est-ce pas? Chacun est libre d'interpréter la signification d'une plume d'ange selon ses propres sentis et expériences. Et bien voilà, cette capsule est terminée. Je vous souhaite une lumineuse journée. Prenez soin de vous. Et pour ma part, je vous dis, eh bien, à très vite.